Au sommet de cette édition en Afrique du Sud, 8 membres d'une même famille ont été tués mardi soir par balle chez elles et leur domicile incendié. C'est la police qui a rapporté l'information mercredi. Au Congo, le président du Sassou Nguesso a annoncé la création de couloirs humanitaires dans le pôle. Il a également proposé de racheter les armes des jeunes égarés dans cette région. En Centrafrique, l'ONG Corded forme les représentants des victimes de la crise dans le pays. Cette formation vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur les violences basées sur le genre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour, on ouvre donc cette édition par l'Afrique du Sud où 8 membres d'une même famille, toutes de sexe féminin, ont été tuées ce mardi soir par balle chez elles et leur domicile incendié. C'est du moins ce qu'a indiqué ce mercredi la police qui a ajouté que la cause du drame reste encore à déterminer. Mais selon des médias locaux, le drame pourrait cependant être lié à une dispute familiale. 6 des victimes étaient âgées de 3 à 18 ans, tandis que les 2 autres étaient plus âgées. 7 personnes d'entre elles ont été tuées sur le coup et la 8e a succombé à ses blessures à l'hôpital. Il faut dire que le drame est survenu dans la province du KwaZulu-Natal, épicentre de violences politiques liées aux fortes dissensions au sein du parti au pouvoir, l'ANC. Le Congrès national africain, le bureau du parti, a d'ailleurs condamné fermement cet incident. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé la création de couloirs humanitaires dans le pôle. Il a également proposé de racheter les armes des jeunes égarés dans cette région au sud de Brazzaville qui a plongé dans les violences en avril 2016. En recevant ce mardi une délégation de sages et de religieux du pôle, le président congolais Denis Sassou Nguesso a déclaré vouloir créer sans délai des couloirs humanitaires pour que les insurgés sortent avec leurs armes. Il n'a toutefois pas précisé les modalités. Les qualifiant de jeunes égarés armés, le président a dit vouloir acheter leurs armes pour qu'avec cet argent, ils puissent organiser une petite vie. D'après Denis Sassou Nguesso, personne ne sera tué parce que la constitution du Congo interdit la peine de mort. Pour rappel, le pôle a replongé dans les violences juste après la présidentielle de mars 2016 remportée par le président Denis Sassou Nguesso, une victoire très contestée par l'opposition. Et depuis, le gouvernement accuse le chef de la rébellion, le pasteur Ntumu et ses ex-combattants ninja, de perpétrer des exactions sur les populations dans cette région où au moins 138 000 personnes sont en détresse selon l'ONU. En Tunisie, les proches d'Ahmed Anachi, un Tunisien désigné comme le principal meurtrier dimanche de 2 cousines à Marseille, peinent à comprendre ce qui a pu le pousser à commettre cet acte. Selon eux, l'homme est paumé, mais pas radicalisé. Les parents d'Ahmed Anachi peinent encore à réaliser ce qui s'est passé. L'homme de nationalité tunisienne est désigné comme le meurtrier de 2 jeunes cousines ce dimanche à Marseille. D'après son père, il était peut-être sous l'effet de la drogue quand il a agressé à coups de couteau les jeunes filles devant la gare Saint-Charles. Pour ce qui est de ses amis, ils ne peuvent croire à une radicalisation religieuse. Il est venu en été l'année dernière. On s'est retrouvés pour discuter. Il ne m'a pas parlé de Daesh. Moi, je le connais plutôt comme quelqu'un qui fume, qui boit et en manque de drogue, de Subutex. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entends dire qu'il vole, fait des braquages ou qu'il est violent. Il n'est pas violent envers les autres. Il allait mieux. Il a passé quelques temps ici pour se sevrer. Et justement, c'est son frère Anour qui l'a forcé à se soigner pour qu'il en finisse avec la drogue. Ensuite, il est rentré en Italie, en France. Cependant, un officier de la police locale a confirmé que l'agresseur abattu à Marseille était bien Ahmed Anachi.
En Libye, cette fois, le commissaire européen à l'élargissement, Johannes Hahn, a donné ce mercredi une conférence de presse dans la capitale Tripoli. À cette occasion, il a évoqué les nouveaux pourparlers qui ont débuté le 1er octobre dernier à Tunisie entre les gouvernements rivaux libyens. On suit ici un extrait de ses propos. L'Union européenne soutient complètement le processus sous l'égide des Nations unies. L'Union européenne se tiendra aux côtés du peuple libyen à chaque étape du processus. L'Union européenne aide déjà beaucoup la Libye en apportant plus de 300 millions d'euros en subventions. En Centrafrique, l'ONG Corded forme des représentants des victimes de la crise dans le pays. Cette formation permet entre autres de renforcer les capacités des acteurs de la société civile en ce qui concerne le travail sur les violences basées sur le genre. Une trentaine de représentants des organisations de la société civile participent à un atelier pour faire le bilan des actions réalisées. Il s'agit des associations impliquées dans la mise en œuvre du projet partenariat stratégique financé par l'ONG internationale Cordaid. Mais nous avons choisi de travailler sur deux trajectoires qui se retrouvent beaucoup plus ici en Centrafrique hein, et après la guerre, des situations qui se sont vues après la guerre plus. Aujourd'hui, les victimes des crises ont la possibilité de s'organiser pour parler de leur situation, faire des réclamations afin de peser dans le processus de résolution de la crise. Et nous sommes en train d'aménager et contextualiser la théorie de changement concernant le contexte centrafricain. Puisque nous avons déjà commencé à mener des activités sur terrain dans le programme de partenariat stratégique avec Cordette, et ils nous ont demandé pour cet atelier de réintégrer d'autres organisations que nous avons vues nécessaires, nous avons jugé nécessaire de les intégrer dans le partenariat stratégique afin de travailler ensemble, la main dans la main avec ces organisations. Cette formation permet de renforcer les capacités des acteurs de la société civile en ce qui concerne le travail sur les violences basées sur le genre, les droits des victimes et des conflits ainsi que leur accès à la justice. En Turquie, plusieurs personnes ont été condamnées à la prison à vie ce mercredi pour avoir tenté d'assassiner le président Recep Tayyip Erdogan. C'était lors d'un des plus spectaculaires épisodes du putsch manqué de l'année 2016. Un tribunal turc a condamné ce mercredi à la prison à vie 34 personnes. Ces dernières sont reconnues coupables d'avoir tenté d'assassiner le président Recep Tayyip Erdogan lors du putsch manqué du 15 juillet 2016 en Turquie. Un ancien militaire a été acquitté et les dossiers de trois accusés ont été dissociés du procès. Ouvert en février dernier, le procès s'est déroulé dans une ambiance très tendue, avec des manifestants réclamant à chaque audience le rétablissement de la peine de mort pour les accusés. Il faut dire qu'il s'agit du plus important des procès ouverts à travers la Turquie, après la tentative de coup d'État qui a fait quelques 250 morts hors putschistes. Toujours dans le cadre de ce procès, le prédicateur Fethullah Gulen, accusé d'être l'instigateur de la tentative de coup d'État, était jugé par contumace. Mais celui-ci a toujours nié toute implication. Notons que depuis juillet 2016, quelques 50 000 personnes ont été arrêtées et plus de 140 000 limogées ou suspendues. On parle découverte à présent. Le prix Nobel de chimie a récompensé ce mercredi le Suisse Jacques Dubochet, l'Américain Joachim Frank et le Britannique Richard Anderson pour avoir mis au point la cryomicroscopie électronique, une méthode révolutionnaire d'observation des molécules couplées à l'imagerie 3D, images et sons. Le Suisse Jacques Dubochet, l'Américain Joachim Frank et le Britannique Richard Anderson ont été récompensés pour avoir mis au point la cryomicroscopie électronique, cette méthode révolutionnaire. The Royal Swedish Academy of Sciences
L'Académie royale suédoise des sciences a décidé d'attribuer le prix Nobel de chimie 2017 conjointement à Jacques Dubochet, Joachim Frank et Richard Anderson, et l'Académie les a primés pour le développement de la cryomicroscopie électronique, pour la détermination en haute résolution de la structure des biomolécules en solution. Le professeur Jacques Dubochet, un des lauréats, a déclaré que recevoir le prix était une très grande reconnaissance, mais que le prix restait ambigu, car c'est avant tout un effort collectif. Vous comprenez que dans un moment comme ça, le sentiment qui s'impose, c'est une très grande reconnaissance. Ils sont sympas, Stockholm. Ça, c'est vrai. C'était pas évident. Mais je dois dire que un prix scientifique, c'est une chose ambiguë. Ça met en évidence un individu, alors qu'on devrait mettre en évidence un effort collectif. Moi, je ne suis pas tout seul d'avoir inventé l'eau froide. Bon, c'est toujours de l'eau, mais on aimerait qu'elle conserve la structure de l'eau liquide, parce que nos protéines, nous, on est dans de l'eau liquide. Et si vous la transformez dans de l'eau, dans de la glace, tout ce qui flotte dans cette eau est foutu. Donc, il fallait conserver la structure de l'eau liquide en l'immobilisant. Cette année, chaque prix est doté de 9 millions de couronnes suédoises, soit environ 943 000 euros que se partagent les lauréats. Retour en Afrique et plus précisément en Centrafrique où, dans le cadre de la recherche de la paix, les femmes leaders ont initié des séances de sensibilisation. C'est bien sûr à travers des séries de rencontres avec les médias. Estimant qu'elles représentent un peu plus de la moitié de la population du pays, les femmes s'organisent et prennent des initiatives citoyennes pour peser sur les grandes décisions qui engagent l'avenir de la Centrafrique. Nous disons aux acteurs de ces conflits qu'aucune raison n'est valable, soit-elle politique ou économique, pour ôter la vie à des centaines de personnes, priver les populations de leurs habitations et les envoyer vivre dans la brousse dans des conditions inhumaines. Peut-on parler aujourd'hui d'unité ? De respect et de sécurité pour tous dans notre pays, comme l'annonce le thème de cette journée internationale. Cette célébration est l'occasion pour chaque Centrafricain, à tous les niveaux, d'y réfléchir et de se demander comment son comportement, sa manière de vivre avec les autres, pourront contribuer à construire la paix. Plusieurs accords de paix ont été signés entre le gouvernement et les groupes armés. Les membres du réseau des femmes leaders s'engage à s'inscrire aux côtés des autres forces vives de la nation au processus de relèvement de la Centrafrique. Les femmes leaders veulent être désormais des actrices efficaces de la consolidation de la paix. Les femmes leaders pour la paix, en tant que mères, épouses, sœurs, tantes, tendent les bras à tout le monde, y compris aux différents groupes armés qui sévissent sur le territoire centrafricain, afin qu'ensemble nous puissions bâtir la paix dans le respect des uns et des autres, avec dignité et dans un environnement sécurisé. En s'engageant à promouvoir la paix à Bangui et dans l'arrière-pays, les associations des femmes démontrent incontestablement leur capacité à participer à l'effort de reconstruction du pays. La reconstruction qui passe par la mutualisation de la volonté et des énergies de tous. Voilà, sur cette note, nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur SICA et ses différents sites.